Cet après-midi à la présidence de la République, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, s'est entretenu avec une délégation de la force Barkhane. Il a été question de la participation du contingent tchadien dans la zone des trois frontières Mali, Niger, Burkina Faso. 18e colloque du réseau international Méga Tchad, coup d'envoi des travaux ce 29 janvier en N'Djamena. Les temps des changements, rupture et continuité dans le bassin du lac Tchad, c'est le thème des assises à suivre dans ce journal. Le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, a monté un projet ambitieux inspiré du PND 1721. Il s'agit du programme d'appui au développement local et à la finance inclusive. Nous parlerons de la rencontre des différents ministères concernés et les partenaires également dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue. À la une de ce journal, le président de la République, Idriss Déby Itno, a reçu cet après-midi une délégation de la force Barkhane, conduite par l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Kocheri. La participation du contingent tchadien dans la zone des trois frontières, à savoir Mali, Burkina Faso et Niger, a constitué donc l'essentiel des discussions. Nassou Nodjiti. Au sortir du sommet des Pau, il a été décidé de la mutualisation des efforts pour combattre efficacement les forces du mal qui opèrent dans la zone sahalo-saharienne. C'est pour matérialiser la présence du contingent tchadien dans la zone des trois frontières, Mali, Niger et Burkina Faso, que le chef de l'État a accordé une audience à la délégation de la force Barkhane conduite par l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Kocheri, et comprenant notamment le commandant de la force Barkhane, le général de division Pascal Facon. Les discussions entre le chef de l'État et le commandant de la force Barkhane ont duré 2 heures et se sont déroulées en présence des ministres des Affaires étrangères, Chérif Mohamed Zène, et de la Défense nationale, Mohamed Abali Salah, ainsi que des proches collaborateurs du président de la République. L'ambassadeur de France au Tchad, au sortir de l'audience. Il fallait mettre en place méthode de travail, c'est-à-dire faire en sorte que la façon dont les chefs d'État ont travaillé entre eux à Pau se réplique dans chaque pays. Et c'est ce format dit format de Pau dont cette réunion était, je dirais, une première esquisse, une première réalisation. Et c'était déjà un point important. Ensuite, j'ai eu l'honneur de remettre au président de la République un document qui s'appelle les engagements conjoints. Nous avons discuté des paramètres pour le renforcement des moyens, y compris par possibilité d'un bataillon tchadien qui est attendu. C'est au chef de l'État de prendre la décision. C'est un élément qui demandait des discussions, qui demandait des précisions. Et il a été décidé de mettre en place un groupe de travail technique associant les spécialistes des questions militaires pour traiter les différents aspects pour ensuite pouvoir, le moment venu, sur décision du président Idriss Déby, procéder à un déploiement possible d'un bataillon tchadien. Très bientôt, l'Alliance pour le Sahel, comprenant notamment les forces du G5 Sahel, ceux de Barkhane et les contingents du Tchad, du Niger, du Mali, de la Mauritanie et du Burkina Faso, sous un commandement unifié, sera opérationnel. Les terroristes qui endeuillent les familles dans l'espace Sahel en apprendront à leurs dépens. En séjour en N'Djamena, dans le cadre de l'atelier de renforcement des capacités de la Commission électorale nationale indépendante, le secrétaire général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Amata Lamy, a été reçu hier au ministère des Affaires étrangères. Le ministre Chérif Mohamed Zène et le EG de la CEAC ont abordé plusieurs sujets. Quel était donc temps exactement de leurs échanges? Écoutons l'ambassadeur Amata Lamy.
Nous avons fait un large tour d'horizon de l'actualité dans la sous-région et nous avons particulièrement parlé du processus de réforme de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Comme vous le savez, lors d'un sommet extraordinaire qui s'est tenu à Libreville, la CAC est dotée d'un nouveau acte constitutif. Plusieurs documents relatifs à son fonctionnement, à son management, et que nous nous apprêtons maintenant à faire en sorte que la sélection des futurs dirigeants de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale ait lieu. Cette sélection se passe dans de bonnes conditions et que la commission soit installée dans le premier semestre de l'année 2020 en cours pour que le secrétariat général cède la place à la nouvelle équipe. Et c'est de cela que nous avons parlé. Et le Tchad aura certainement des candidats. En tant que secrétaire général, j'ai eu échangé sur les procédures, sur la meilleure manière donc de présenter les différents candidats du Tchad à l'exécutif futur de la CAC. Il y a pratiquement 6 postes, celui du vice-président de la CAC, de la commission, et 5 commissaires qui sont en concurrence pour tous les États membres de la CAC. Donc chaque État peut présenter un candidat à chacun de ces postes. Donc j'ai eu à évoquer cette question avec son Excellence le ministre des Affaires étrangères, mais il n'y a pas que ça. Il y a évidemment d'autres questions d'intérêt commun relatives à la paix, à la sécurité dans la région que nous avons eu à évoquer. Amat Alami, secrétaire général de la CEAC. 18e colloque du réseau international Méga Tchad, coup d'envoi des travaux ce 29 janvier à N'Djamena. La rencontre se déroule autour d'un thème, les temps des changements, rupture et continuité dans le bassin du lac Tchad. Ce colloque est un rendez-vous de partage d'idées et d'expériences pour trouver des solutions à la sauvegarde du lac Tchad. Plusieurs pays sont conviés. Guéam Benguéri. La situation actuelle du bassin du lac Tchad préoccupe le gouvernement tchadien et ses partenaires, car celui-ci est confronté à un certain nombre de difficultés, notamment le changement climatique qui modifie durablement le fonctionnement des écosystèmes et crée le phénomène de l'insécurité. C'est pourquoi lors de ce 18e colloque sur le réseau international Méga Tchad, les participants vont échanger et partager leurs expériences dans certains domaines, comme celui de la sécurité, l'environnement, le pastoralisme et bien d'autres sujets, afin de jeter les bases d'une nouvelle lutte. Il était essentiel que le colloque Méga Tchad pût enfin se tenir au Tchad. Parce que c'est un retour au point d'origine de Méga Tchad. C'est essentiel au regard de la place centrale qu'occupe le Tchad sur la carte des enjeux africains. C'est essentiel au regard du rôle historique du Tchad, terre de carrefour, terre de passage, terre de circulation, dans toutes les grandes aventures de l'humanité. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, par ailleurs parrain de l'événement, le thème choisi pour ce 18e colloque est un thème évocateur qui interpelle la conscience et la responsabilité de tous. Dans son message adressé aux participants à la conférence sur le climat tenue à New York du 23 au 29 septembre 2019, Son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a bien énuméré les principales conséquences du changement climatique au Tchad en insistant entre autres sur la baisse et la variabilité pluviométrique, les sécheresses, la baisse des productions agricoles, l'assèchement et le rétrécissement des cours d'eau comme le lac Tchad, mais aussi les inondations, les vagues de chaleur, les vents violents, l'avancée inquiétante du désert, la famine et l'exode rural. Des phénomènes climatiques qui font assurément le lit de la menace terroriste. Depuis sa création en 1984, l'honneur revient pour la première fois au Tchad d'abriter ses colloques. Pour cette édition, anciens chercheurs, responsables en charge de l'enseignement supérieur, les partenaires techniques et financiers ont tous répondu présents.
première session ordinaire du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles, les assises placées sous le haut patronage du président de la République se sont achevées ce 29 janvier. Venus des différentes provinces, les participants ont épluché la mise en œuvre de la décentralisation au Tchad. C'est le ministre de l'Administration et du Territoire et des collectivités décentralisées, Mahamat Ismaël Chaïbo, qui a clos les travaux. Grand Gatcha Mirima. La première session ordinaire 2020 du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles au palais du 15 janvier a tenu toutes ses promesses. Le président de la République a été représenté par le ministre de l'Administration du Territoire, Mahamat Ismaël Chaïbo. Durant deux semaines, les autorités traditionnelles ont analysé les freins à l'application cohérente de la décentralisation au Tchad. Il ressort de ces analyses que des efforts ont été consentis par le gouvernement, notamment dans la mise en place des infrastructures étatiques, des organisations des élections législatives et le découpage administratif. Il revient aux autorités traditionnelles de jouer leur partition. Je fais le devoir de vous rappeler une fois de plus que la mission qui nous est confiée est délicate. Nous avons donc de nombreux défis à relever. C'est dans cette perspective que vous êtes tous répartis dans trois différentes commissions permanentes ayant des domaines de compétences spécifiques. Ces commissions doivent travailler sans désemparer. Je vous demande donc avec insistance de vous mettre résolument à l'œuvre pour relever ces défis. Les autorités traditionnelles se sont engagées à prôner la paix malgré les difficultés constatées sur le terrain. Partout ailleurs en Afrique, la décentralisation administrative territoriale est à l'ordre du jour. Mais sa mise en œuvre pose toujours problème s'agissant d'une nouvelle méthode de gestion des affaires publiques locales. Notre pays n'est pas du reste. C'est pourquoi j'ai coordonné et suivi avec intérêt le déroulement de vos travaux en groupe, la pertinence de vos recommandations témoigne de la hauteur de vue et du sens aigu des responsabilités qui ont caractérisé vos débats. Que chaque haut conseiller, chaque président de commission permanente joue sa partition. La réussite de la mission qui nous est confiée par les plus hautes autorités de notre pays est à ce prix. La balle est donc dans notre camp et nous avons le devoir de réussir cette mission qui nous est confiée pour servir la nation, pour servir les populations à la base et pour que notre pays, le Tchad, soit demain un pays qui, où il fait beau vivre et qui pourrait déjà avoir des ambitions pour l'émergence. Le Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles est un organe consultatif qui a pour mission de faire des observations, des propositions sur la politique de décentralisation, d'aménagement du territoire et surtout les questions des chefferies traditionnelles. Il a vu le jour lors du forum national tenu en mars 2018 et est composé de 51 hauts conseillers désignés par le président de la République le 21 novembre 2018. Je l'annonçais en titre que le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, a monté un projet ambitieux et inspiré du PND 17-21. Il s'agit du programme d'appui au développement local et à la finance inclusive qui a été donc au centre d'une réunion tenue ce matin et qui a regroupé les membres du gouvernement concernés et leurs techniciens ainsi que des partenaires. Au centre des préoccupations, les tenants et les aboutissants de ce programme. Adef Ahmed Berram. Le Tchad recèle d'immenses potentialités agro-sylvopastorales et halieutiques, ainsi que des ressources environnementales. La valorisation de toutes ces ressources pourra contribuer au développement économique et social des populations locales. C'est pour répondre à cet impératif que le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, en particulier le PNUD, a initié le programme d'appui au développement local et à la finance inclusive au Tchad Padelfit, partie intégrante du plan national de développement PND 2017-2021. Ce programme a fait l'objet de cette séance d'échange qui a vu la participation des membres du gouvernement concernés
et leurs techniciens respectifs, ainsi que les partenaires impliqués. L'OPADELFIT concerne toutes les provinces et touchera 2 millions de ménages tchadiens. Que ce programme important est voulu par son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, chef du gouvernement, de voir la traduction de l'ensemble des promesses faites dans le cadre du plan national de développement commencer à se traduire sur le terrain. Le lancement officiel de ce programme est prévu pour le mois de février de l'avis de son président du comité de pilotage. L'étape de l'AI, pour laquelle nous nous préparons au lancement officiel par son Excellence Idriss Déby Itno lui-même, président de la République, chef de l'État, d'ici le 28 février, marquera le départ des prochaines étapes dans 5 autres provinces du Tchad, sur les 23. Et ce qui va permettre progressivement d'aller vers les 23 provinces du pays et qui montre la dimension, l'envergure de cet important programme. Avec la presse, des aspects techniques ont été passés au peigne fin par le conseiller technique principal du PADELFIT. Il y a une composante développement local destinée à créer et développer des infrastructures de base pour susciter l'économie locale dans les 23 provinces du Tchad. Pour la première phase du programme, la gestion est confiée au PNUD qui passera le relais à l'État en 2022. La 12e édition du Forum mondial de l'agriculture s'est tenue en Allemagne la semaine dernière. Le Tchad a été représenté par la ministre de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles, Madjidian Padjarut. On en sait plus avec Idriss Oumar Idriss. Investir dans l'agriculture, c'est assurer l'autosuffisance alimentaire pour un peuple. Cette idéologie doit être épousée par tous les gouvernements de par le monde afin d'assurer la sécurité alimentaire. C'est cela l'objet de cette rencontre de grande envergure qui a réuni les ministres en charge de l'agriculture, d'Afrique, d'Asie, de l'Europe et de l'Amérique. Ces derniers ont réfléchi autour du thème de la nourriture pour tous. Le Tchad s'est fait représenter par le ministre de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles, Madjidian Padjarut. En sensibilisant davantage aux différentes technologies agricoles, l'amélioration également de la qualité des cultures, en travaillant sur divers mécanismes avec le secteur privé et d'autres acteurs du marché pour transformer les connaissances des petits exploitants et enfin améliorer et tourner la technologie vers l'agriculture de marché. La 12e édition du Forum mondial pour l'alimentation et l'agriculture est aussi une occasion pour les ministres en charge de l'agriculture de relever les atouts que disposent leurs pays. Des opportunités, une fois bien exploitées, permettent à la population de bien s'alimenter et faire face à la pauvreté, aux inégalités et aux crises. Arrivé en fin de mission au Tchad, l'ambassadeur des Émirats arabes unis au Tchad, Mahmoud Ali Al-Shamsi, s'est rendu au siège du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. Le diplomate émirati est allé faire ses adieux au président de l'institution. Varelach. Arrivé en fin de mission, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Émirats arabes unis au Tchad, Mahmoud Ali Al-Shamsi, s'est rendu au Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. Il est accueilli par les membres du dit conseil au premier rang, le vice-président de cette institution religieuse, Abdoudaïm Abdallah Ousmane. Le diplomate émirati est venu dire ses adieux au Conseil supérieur des affaires islamiques, particulièrement au Cheikh Mohamed Khatir Issa, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. Selon le diplomate émirati, pendant son séjour au Tchad, des liens d'amitié et de coopération ont été redynamisés, surtout dans le domaine religieux. Et de poursuivre que le Tchad est un pays qui regorge d'énormes potentialités pour son développement. Un déplacement apprécié à sa juste valeur par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Mohamed Khatir Issa. Il a tenu à remercier le diplomate pour les efforts accomplis, surtout les relations au beau fixe qui existent entre les Émirats arabes unis et le Tchad. En reconnaissance des services rendus à la nation tchadienne, Mahmoud Ali Al-Shamsi a été décoré. Une décoration pour traduire dans les faits l'engagement conséquent du diplomate émirati.
On vous annonçait hier qu'une délégation du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche se trouve à Rigrig pour sensibiliser les riverains du site pétrolier. Lors des rencontres publiques, la mission a demandé à la population de s'approprier l'étude et de participer à la mise en œuvre des actions d'atténuation des impacts environnementaux et sociaux du projet. Naïm Ahmad Baba sur place. L'entre a réuni autour du gouverneur de la province du Kanem ainsi que du sultan les autorités administratives, militaires et traditionnelles de la sous-préfecture de Rigrig. L'objectif étant de permettre à la population de s'approprier l'étude ainsi que de participer à la mise en œuvre des actions d'atténuation des impacts environnementaux et sociaux du projet afin de proposer des correctifs pour son adoption. C'est dans cette optique que le maire de la commune de Rigrig appelle les participants à transmettre et vulgariser les issues de cet atelier à la population pour une meilleure adhésion. Le directeur général adjoint du ministère de l'Environnement, représentant le ministre des tutelles, lui espère que la mise en œuvre de ces projets améliore effectivement les conditions de vie de la population. Avis partagé par le gouverneur de la région, qui exhorte en outre les concepteurs de l'étude à ne pas occulter les aspects environnementaux du projet. L'importance de ce projet, pour le Tchad en général et le Kanem en particulier, n'est plus à démontrer. Néanmoins, tout en assurant notre développement, nous ne devons pas occulter les questions liées à la protection de l'environnement et ce, afin d'offrir un cadre de vie décent à nos populations. Cette journée de consultation publique constitue une étape très importante dans le processus d'implication des différents acteurs de développement de la province du Kanem dans le suivi des aspects environnementaux et sociaux du projet. L'étude conseille afin d'éviter tout risque de déversement à grande échelle des hydrocarbures ou fuite des gaz un certain nombre de mesures. Ces dernières se résument exclusivement à la construction à environ 50 mètres de murs autour des contenants fixes d'hydrocarbures, dans la mesure où ce projet offrira au minimum 500 emplois directs et 1000 autres indirects au profit de la population de la région ainsi que du reste du pays. Le directeur général adjoint de l'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication est en tournée dans les centres communautaires de l'ADETIC de Mongo, Abéché et Bultin. Le DGA Naira Bakar est allé toucher du doigt leur fonctionnement. Ali Mohamed Bello. L'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication, ADETIC, met le curseur sur ces centres communautaires de la partie est du pays en cette nouvelle année. Construits et équipés, ces centres destinés au développement numérique ne remplissent pas leur mission principale, de Mongo à Béché. Et pour toucher du doigt la réalité, le directeur général adjoint de l'ADETIC est descendu sur le terrain. Naira Bakar visite de fond en comble chaque centre avant de tenir des rencontres avec les responsables. Mais ces centres communautaires doivent servir la population. Donc nous sommes ici pour faire un état des lieux, mais aussi motiver les équipes pour qu'on apporte des services nouveaux. Que ça soit l'internet, que ça soit l'accessibilité à l'outil informatique ou encore la formation qu'on veut en tout cas cette année, en 2020, donner à la population. Le périple continue jusqu'à Biltin, dans le Wadi Fira. Sur place, le directeur général adjoint de l'ADETIC découvre un autre tableau, tout à fait différent. Le centre est construit, équipé, mais n'est pas encore opérationnel. Les objectifs ne sont pas totalement atteints. Ils ne sont pas totalement atteints. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, les centres communautaires ne servent qu'une partie de la population. Et notre objectif, c'est que ces centres communautaires attirent toutes les couches. Nous voulons créer des hubs technologiques dans nos régions. Parce qu'à chaque fois, il y a un abus de langage à chaque fois au Tchad. Le Tchad, ce n'est pas qu'une Djamena. Le Tchad, c'est 23 provinces. Et nous avons le devoir de donner l'accès à ces 23 provinces. En cette année 2020, l'ADETUC veut plus orienter son regard sur les jeunes des provinces du pays, leur donner la possibilité d'accéder facilement aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le train du numérique ne doit pas arriver à la gare sans cette frange de population. Parlons à présent d'un atelier des parties prenantes organisé par Equal Access International, le bureau du Tchad, dans le cadre du projet Voix de paix. Voix de paix, ce projet qui œuvre dans le changement de comportement en utilisant les médias pour lutter contre l'extrémisme violent. Les parties prenantes se sont retrouvées hier pour évaluer les activités réalisées et adopter des actions pour l'année en cours. Merci Thiemé.
faire un état des lieux de la situation des activités de l'entroit dans les zones d'action et partager une stratégie commune avec les parties prenantes pour l'encadre est la préoccupation première du projet Voie de paix. Organisé par UQL Access International, ce projet qui intervient dans la majeure partie du pays sensibilise les communautés locales sur la paix et la tolérance en vue de prévenir l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest et du Centre en s'appuyant sur les médias traditionnels, notamment les radios communautaires. Une action citoyenne qui promeut la démocratie, les droits de l'homme ainsi que la bonne gouvernance. Ce cadre d'échange avec les parties prenantes et le staff du UQL Access Tchad a permis de discuter avec les partenaires afin d'établir le dialogue entre agriculteurs et éleveurs dans le Moyen-Chari et le Logone occidental et bâtir un climat de confiance entre les communautés du sud du Tchad et les autorités locales et nationales, mais aussi renforcer les acquis de voie de paix au lac Tchad et dans la commune de N'Djamena. La seule chose que nous espérons réellement, c'est que les radios partenaires, les associations, à partir de la cinquième année, ont suffisamment appris du projet et peuvent eux-mêmes continuer ce que nous avons commencé ensemble. Lors de ces assises, les participants ont fait quelques recommandations à l'endroit de UQL Access International. Recommandations qui visent le renforcement du partenariat avec les médias dans la recherche consistante de la paix contre l'extrémisme violent au Tchad et la création d'autres supports de communication communautaire plus appropriés. Nous sommes à présent dans le Logone oriental où le gouverneur de la province a achevé sa mission à l'intérieur des circonscriptions administratives. À l'issue de la tournée, le gouverneur Moussa Haroun Tirgo a mis au point en rappelant à l'ordre, a fait une mise au point en rappelant à l'ordre les autorités administratives. Reportage Miambaï Mathurin. 8 jours durant, le gouverneur de la province du Logone oriental et son staff de sécurité ont séjourné dans la sous-préfecture de l'Armanaï pour vivre les réalités sur le terrain en ce qui concerne le phénomène récurrent des prises d'otages contre rançon. Face à son auditoire, le gouverneur a relevé que les autorités administratives locales et traditionnelles n'ont pas joué pleinement leur rôle et puis une bonne partie de la population est complice des malfaiteurs et c'est ce qui est à l'origine de cette insécurité qui a appauvri les paisibles citoyens. Ensuite, Moussa Haroun Tirgo leur a fait comprendre que les investigations des forces de l'ordre ont permis à identifier une vingtaine de présumés complices. Au-delà de cette liste, deux bandits, sous pression de leurs parents, ont déposé une arme de marque AKM Cross pliante. Aujourd'hui, cette arme-là, lui, il était un malfaiteur. Il a déposé son arme, il est venu. Et des gens comme ça, combien ? Ils nous ont annoncé. Aussi, il y a d'autres comme ça sont annoncés. Je demande les responsables, surtout les chefs traditionnels, les éleveurs, nous avons déjà connu les malfaiteurs. Le général de corps d'armée Moussa Haroun Tirgo en appelle à la responsabilité sans faille du sous-préfet, du maire, des chefs de canton et ferry, des notables et bien évidemment des clans domaines. Enfin, il leur a déclaré publiquement qu'il a interdit à qui que ce soit de collecter de l'argent pour libérer les otages. Les militants du MPS du Logone oriental ont fait un don aux éléments des forces de l'ordre. La cérémonie s'est déroulée à l'Armanaï. C'est pour exprimer leur soutien au gouverneur de la province. On en sait plus avec Mamatar Djibrin Alhou. Il s'agit essentiellement des sacs de riz, de sucre, des sachets de macaroni, des bidons d'huile, des moutons et un veau que les militantes et militants du MPS ont emporté pour soulager un tant soit peu les éléments des forces de l'ordre qui bravent les hostilités et collines afin de mettre hors état de nuire les auteurs de prises d'otages qui écument la population de la sous-préfecture de l'Armanaï d'une part et d'autre part soutenir les actions salvatrices du gouverneur de la province du Logone oriental en matière de la sécurité des personnes et de leurs biens. À cet effet,
Le secrétaire général provincial du MPS au Logone oriental, Nelngar Madingar, a renseigné que cette descente des militantes et militants du MPS est un signe d'encouragement pour relever le moral de nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Réceptionnant ces vivres qui, selon lui, c'est un acte patriotique, le gouverneur Moussa Haroun Tirgo a, au nom des officiers, sous-officiers et hommes de rang, salué ce geste avant de rassurer le secrétaire général provincial du MPS et ses camarades qu'il ira jusqu'au bout avec cette opération de lutte contre ces malfaiteurs. C'est un acte hautement patriotique. Ce n'est pas la quantité, c'est le geste qui est important. Donc nous vous remercions et nous sommes déterminés à combattre pour état de nuire tous ces malfrats qui empêchent de dormir nos populations. Avec ces vivres, les forces de défense et de sécurité pourront subsister pendant cette période de patrouille pédestre et motorisée. Reportage plutôt signé Miambay Mathurin. Dans le Bata, le secrétaire général de la province a présidé une réunion au cours de laquelle des questions sécuritaires ont été abordées. Mamataïr Djibrin Alhour. Faire l'état des lieux de la situation sécuritaire, échanger autour des mobilités des ONG et programmes et surtout adopter un nouveau dispositif de sécurité. Voilà les principaux points inscrits à l'ordre du jour de cette réunion de sécurité qui a réuni autour du secrétaire général de la province du Bata, les responsables des forces de défense et de sécurité et ceux des organisations non gouvernementales et des projets et programmes intervenant dans cette province. Dans ce préliminaire, le secrétaire général de la province du Bata, Saleh Haggar Tidjani a demandé à l'ensemble des ONG et programmes dont les nombres vont grandissant dans le Bata de doubler la vigilance et de signaler tous leurs mouvements aux autorités compétentes. Au niveau des grandes villes telles que Ati, le secrétaire général annonce que désormais les patrouilles de police vont reprendre en collaboration avec la commune. Au chef de carré, le secrétaire général a demandé d'appuyer les forces de l'ordre dans leur mission. De leur côté, le comme-légion adjoint de la gendarmerie nationale Bata, colonel Mohamed Tahir Hassab Al-Kerim et le délégué de police du Bata, Brahim Mohamed Halou, ont insisté sur l'importance de l'escorte et de l'utilisation des GPS par toutes les ONG pour sécuriser leur mobilité. Tous les responsables des projets présents à la rencontre ont pris la parole pour d'abord féliciter et encourager cette initiative des autorités administratives et ensuite apporter leur contribution au nouveau dispositif de sécurité annoncé par le secrétaire général de la province du Bata. À Béché, ce sont des officiers de la police judiciaire qui sont en formation sur la prévention des violences basées sur le genre. Les travaux se déroulent donc sous la supervision du secrétaire général du Wadaï, Mamad Al-Bakhir Ahmad Idriss. La vingtaine des participants venus de leur garnison respective d'Abéché ont deux jours pour échanger avec leurs deux encadreurs de péché par le secrétariat exécutif national du CNLS, organe national de coordination de la riposte au VIH et SIDA. Pour Dr Abdoulaye Mustapha, MCD d'Abéché, représentant le délégué sanitaire du Wadaï, la prévention des violences basées sur le genre est l'un des défis auxquels le pays fait aujourd'hui face. Les partenaires d'appui à la riposte au VIH et SIDA sont engagés en faveur de l'objectif de l'accès universel et ont aussi demandé de redoubler d'efforts pour éliminer les inégalités entre les sexes, élever les obstacles de la discrimination et la stigmatisation et pour qu'un soutien à la santé génésique soit mis à la disposition des adolescents et autres groupes vulnérables. Le secrétaire général de la province du Wadaï, Mohamed Abdelkarim Ali, trouve qu'il est très important de mettre à terme une plateforme de lutte contre les violences basées sur le genre, regroupant toutes les sensibilités administratives, politiques, judiciaires et sanitaires. Les femmes sont souvent considérées comme celles responsables de la prévention. À l'inverse, les hommes demeurent toujours aussi éloignés des dispositifs de prévention. Il est important de mettre en place une plateforme de violences basées sur le genre pour disséminer les informations clés et assister les victimes. Le secrétaire général de la province du Wadaï, Mohamed Abdelkarim Ali, souligne que de leur part, toutes les dispositions nécessaires seront prises pour faciliter les interventions futures en matière de prévention des violences basées sur le genre.
À Fada, dans la province de l'Enedi Ouest, le nouveau délégué provincial de la production, de l'irrigation des équipements effectue une visite de prise de contact dans les différentes entités sous tutelle. On en sait plus avec Abdraman Brahim Ignaï. Quelques jours après sa première rencontre avec les producteurs, Abdallah Darkala, le délégué provincial de production, de l'irrigation et des équipements agricoles de l'Enedi Ouest, a choisi la date du 27 janvier 2020. Pour une rencontre avec le chef service des différents organismes sous tutelle du ministère de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles, tels que CISAP, ONASA, ANADER et ANALA. L'ordre du jour de la rencontre est d'abord la prise de contact avec le chef service, montrer les attributions et les missions du délégué, et la présentation des chefs services des différentes structures sous tutelle du ministère. Après les mots du délégué, s'ensuit la présentation des chefs services et le débat oral sur les différents obstacles qui rencontrent ces organismes. De ce fait, plusieurs difficultés ont été soulevées, sont entre autres les problèmes des ressources humaines, manque de moyens de déplacement, de matériel, logistique et autres. C'est dans ce sens que le délégué a rassuré de prendre en considération leurs doléances. Je prends bonne note de toutes vos remarques et suggestions. Vous êtes tous de différentes structures, mais vous êtes sous un seul arbre. Et cet arbre, c'est le ministère de la production, de l'irrigation et des équipements agricoles. En tant que délégué provincial, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est d'être toujours assidu au travail. Après la clôture de la séance, le délégué a suivi une visite guidée en commençant par le dépôt de l'ONASA numéroté de FADA, le bureau ANADER CISAP. Partout où il est allé, le délégué n'a pas manqué de dire un mot. Le constat est amer au niveau du dépôt. Sur ce, le délégué exhorte à la direction générale de l'ONASA d'approvisionner ses dépôts puisque celui-ci joue un rôle capital surtout dans une localité comme FADA où on compte un nombre important de couches vulnérables. Et puis pour finir la teneur de ce communiqué, le président national de Vive Jeunesse RNDP, Abel Depoa Sewa, se félicite de la concrétisation de l'accord entre le gouvernement et la République, le gouvernement de la République du Tchad, piloté personnellement par le chef de l'État Idriss Déby Itno, ayant débouché sur le rétablissement des salaires coupés depuis 2016 et des AGS dès la fin de ce mois de janvier en cours. Ces rétablissements graduels de ces avantages des agents de l'État qui ont déjà vu un début d'exécution avec les salaires du mois de janvier augmentés constituent un ouf de soulagement pour les fonctionnaires tchadiens en général et la jeunesse de Viva RNDP en particulier. Enfin, la jeunesse du Viva RNDP, par le biais de son président Abel Depoa Sewa, s'est dit très satisfaite de la manière selon laquelle le chef de l'État Idriss Déby Itno, garant des institutions de la République, a su mener ou a su trouver une issue heureuse à cette crise. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais le monde